gebroken. Het werd op vele plaatsen dus snikheet in het binnenland, maar aan de kust, waar ook de zon de hele dag heeft mogen schijnen, daar was het heel wat koeler, met een matige zeebries en temperaturen op het strand veel eer rond 13 en 14 graden. Nu, ook morgen gaat die zon nog volop mogen schijnen en ook vanavond is het nog lang nagenieten op een terrasje, denk ik, van toch wel zacht weer. De temperaturen zullen maar stilaan zakken en in het westen van het land even... Ça fait combien de temps? 20 ans? Plus. Une solde. Bonjour. Nous sommes ici au sujet de Johannes. Il semblerait qu'il ne se soit pas donné la mort à l'époque. Meurtre? Ce serait un meurtre. Ou suicide? Tu étais complètement défoncé. Tu crois que j'aurais pu... Johannes avait caché des armes. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous avez voulu les récupérer, c'est ça? Nouvel indice, nouvelle enquête. Monsieur Kuhn, qui avez-vous vu sur le toit ce jour-là? Johannes était mon ami. Ce n'est pas moi. Arrêtez de vous payer notre tête. Plus de 20 ans après, une lettre d'amour refait surface et remet la thèse du suicide en question. Nous jouons la comédie. Steiner fait enfin toute la lumière sur l'affaire Johannes Wolf. Ce soir, à 20h50 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fait chaud aujourd'hui à Lille, 26 degrés, 27 à Dijon ou encore à Paris, mais nous n'avons pas battu de record. Demain, dès le matin, vous retrouverez toujours un grand soleil sur le quart nord-est, également sur le pourtour méditerranéen et puis sur l'ouest, le centre, ce sera très agréable, de très belles éclaircies, quelques petites brumes peut-être localement sur le nord et quelques averses sur les Pyrénées où il reste quelques nuages qui sont bloqués là, mais franchement, rien de bien méchant. Demain après-midi, toujours un soleil radieux sur le nord-est, également autour de la Méditerranée. Ça se gâte un petit peu sur le massif central et les Pyrénées, avec quelques averses, éventuellement un orage localement sur le massif central, mais là encore, rien de bien méchant. Partout ailleurs, de très belles éclaircies. Les températures demain matin, elles s'échelonneront de 8 à 15 degrés. Nous aurons 15 degrés à Paris, 12 degrés à Biarritz. Et puis l'après-midi, elles restent assez chaudes sur une bonne partie du pays, vous le voyez. Elles vont baisser toutefois un petit peu sur le nord. Nous aurons 22 degrés à Lille au lieu des 26 de cet après-midi. Dans l'ensemble, des températures très au-dessus des normales de saison. Je vous laisse maintenant découvrir la tendance de la semaine prochaine. Regardez, elle s'annonce très agréable, très ensoleillée sur une moitié nord notamment, avec des températures encore très douces. Ça se gâte un petit peu à partir de vendredi, du sud-ouest vers l'est avec un ciel couvert et pluvieux. Et puis samedi et dimanche, vous le voyez, nous retrouverons des températures de saison, c'est-à-dire 17-20 degrés en moyenne, mais ce sera encore des températures très très agréables. Voilà, vous savez tout, demain nous fêtons les Benoît Joseph et puis vous retrouverez l'irremplaçable Jean-Marc Soimy. Très belle soirée à vous, à bientôt. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Tout le sport sur France 3 avec Eurofil. Eurofil, assurance automobile en direct par téléphone et internet. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Weldom. Vous avez parié sur Bonhomme, d'autres sur Cancellara. Stuart O'Grady a déjoué tous les pronostics. On revient sur Paris-Roubaix dans quelques secondes. Bonsoir, place à l'actualité. On va parler de foot avec la suite de la 32e journée de Ligue 1. Nice, qui lutte pour ne pas descendre, recevait en fin d'après-midi Saint-Etienne. Les Verts qui espèrent décrocher une place européenne. Le résumé avec Claire Vauquier. Frédéric Antonetti soucieux à la mi-temps, son équipe n'a pas su profiter d'un bon pressing en début de match. Un centre de Varro pour Koné, la seule occasion niçoise à signaler dans cette première période. Les Stéphanois prennent peu à peu le dessus, une domination concrétisée dès le retour des vestiaires. De l'arrière du crâne, Ilan prolonge au second poteau. Diatta fait sa première titularisation depuis deux mois par une reprise acrobatique et l'ouverture du score. Au stade du Ray, la partie s'emballe. Nice multiplie les actions dangereuses et parvient enfin à égaliser, parfaitement servi par Balmont. Bellion trompe Jeannot de la tête. Revenu au score, les Niçois continuent de pousser et obtiennent un pénalty sur une main de Camara. Bellion prend Jeannot à contre-pied. 2-1 pour Nice. Score final, une bonne opération en vue du maintien.
La 105e édition de Paris-Roubaix avec une victoire surprise, mais amplement méritée, celle de Stuart O'Grady. À 33 ans, il est le premier Australien à s'imposer dans l'arène des classiques. Julien Hérichon. Cela résonne toujours comme un beau moment de légitimité. Stuart O'Grady remporte Paris-Roubaix, l'épreuve qui l'a toujours passionné. Déjà gamin, l'Australien fantasmé sur cette course du Nord, rêve de pavé, rêve de môme. J'ai toujours cru que tout est possible. Bon, la piste, c'était où j'étais né. J'avais dit à un ami ce matin en rigolant que pourquoi pas j'ai pu gagner, ça finit dans le vélodrome. C'est un rêve. Voilà, c'est mon rêve depuis j'étais 13 ans. Premier parti, premier arrivé, O'Grady était de l'échappée matinale. Près de 200 bornes plus tard, avalé presque discrètement, il se la joue solo à quelques 25 km de l'arrivée. Juste derrière, le groupe de l'Espagnol Flecha n'arrive pas à combler l'écart. Un peu plus loin encore, il y a peut-être l'homme le plus fort du jour, mais pas le vainqueur pour autant. Tom Boonen va se dépenser sans compter pour terminer 6e, quand Cancellara, l'autre favori, n'est que 19e. Dans cette course qui ne se sera pas jouée à la vérité du pavé, O'Grady termine seul sur le vélodrome, Flecha 2e, Vezman 3e. Après l'or olympique sur piste, 2 victoires sur le tour et 9 jours en jaune, l'Australien à 33 ans ajoute un pavé à son édifice, courir après un rêve de môme et le rattraper. Les forçats des pavés à Roubaix et du bitume à Paris avec 35 000 participants au départ du marathon. Une marée humaine et matinale dans les rues de la capitale. Victoire en 2h, 7 minutes et 17 secondes du Qatari Shami Moubarak. A souligné l'étincelante perf de Christelle Donnet. Premier marathon et une 3e place à l'arrivée chez les femmes en 2h et 28 minutes. En rugby, la 22e journée du top 14, Toulouse-Clermont cet après-midi. Ce duel au sommet a tenu toutes ses promesses avec des Toulousains qui ont lavé l'affront du match aller. Roselyne Pagès. Le TFC hier soir, le Stade Toulousain cet après-midi, a chacun sa part de chance au Stadium, le porte-bonheur du week-end. De la chance mais surtout du talent pour ce duel de virtuoses. À peine 3 minutes de jeu et les grandes largesses de Bia en relais pour Malzieu qui inscrit le premier essai clermontois. Réplique toulousaine avec Elissalde qui sonne la charge à la 30e minute. Le demi de mêlée déboule dans l'embute et permet à son équipe de mener au score 10-7, puis 17-7 à la pause grâce à cet essai de Emmons. Les Toulousains qui asphyxient définitivement Clermont sur ce regroupement. Courant s'extirpe pour Emmons qui réalise le doublé à la 55e minute en évitant un double plaquage. Essai à l'arraché et victoire toulousaine 24-7. Toulouse qui remonte à la 3e place à 2 points de Clermont. Même Guy Noves y est allé de son exubérance. Rugby toujours, cela a été chaud à Auch où on a fait la fête toute la nuit. Nicolas Vinois. Auch, champion de Pro D2 avec une victoire 31-0 face à Tarbes, le plus petit budget rugbystique de la 2e division française décroche ainsi son billet automatique pour jouer dans le top 14 la saison prochaine. Premier match catastrophique pour l'équipe de France de hockey ici en bleu lors des championnats du monde en Chine. Après avoir facilement mené 3-1, les Français se font d'abord remonter par l'Estonie en l'espace de 78 secondes, 3 partout. C'est le score à la fin du temps réglementaire puis de la prolongation. Et finalement les Bleus s'inclinent au tir au but, 3-1 pour l'Estonie. Rattrapage obligatoire pour les Français dès demain face aux Pays-Bas. À l'image de ce 3 points tranquille de Juan Barrett, Villeurbanne s'impose facilement cet après-midi au Havre 94-71. Résultat, l'ASVEL se hisse ce soir à la 5e place du championnat de France de Pro A. On termine avec la première sortie, très attendue par certains, de la fameuse Peugeot 908 HDI Diesel et déjà une première victoire pour ces deux pilotes, Nicolas Minassian et Marc René, aux 1000 km de Monza, première épreuve du championnat d'endurance Le Mans Series. L'objectif numéro 1 de la voiture reste évidemment les 24 heures, mais quand même ce premier succès est de bon augure pour la suite, n'est-ce pas Pierre? Si c'est pas du cirage de pompe, ça. La Formule 1, 3 Grands Prix cette saison et 3 vainqueurs différents. Felipe Massa sur Ferrari s'est imposé aujourd'hui à Bahreïn, mais ce qu'on retiendra bien, c'est l'exploit historique du Britannique Lewis Hamilton. Les explications de Sonia Daugé.
La saison est à peine commencée qu'il fait trembler tour à tour les médias, les records et ses adversaires. Lewis Hamilton, rookie de l'année, termine deuxième aujourd'hui et grimpe une nouvelle fois sur le podium après ceux de Melbourne et Kuala Lumpur. Trois podiums pour ses trois premiers Grands Prix, c'est inédit. À 22 ans, le prodige anglais n'en fait pas tout un plat, il a la classe derrière son volant et derrière les micros. Que demander de plus ? C'est une étape supplémentaire dans ma carrière, mais l'important c'est Barcelone et là-bas on tâchera de creuser l'écart avec Ferrari. Barcelone, prochaine étape du duel McLaren-Ferrari qui rythme ce début de saison où les deux écuries se partagent les victoires. Aujourd'hui, c'était le tour de la marque italienne et de Felipe Massa. Premier succès de la saison pour le Brésilien, le troisième de sa carrière. Et les écarts se resserrent entre les favoris. Grâce à sa troisième place, Kimi Raikkonen partage la tête du classement des pilotes avec Fernando Alonso, pâle cinquième à Bahreïn, et Lewis Hamilton, dont l'exploit éclipse presque la hiérarchie du jour. Belle île en mer, Marie Galante, vous connaissez, c'est le tube de Laurent Voulzy. C'est aussi une course de voile, le trophée BPE qui va connaître son épilogue dans quelques minutes. Alors pour l'instant, ils sont trois au coude à coude, Nicolas Troussel, Thomas Rouxel et Charles Caudrelier. Le nom du vainqueur et les images de l'arrivée demain soir dans Tout le Sport présenté par Henri Sagné. J'ai été ravi de vous accompagner ce week-end. Bonne semaine à tous, salut. C'est qui va renforcer le pouvoir.